Salut, zami mouen. Jodi ya, nan numéro 373, nan rubrique noua, ma Bible, mon trésor, nous allons faire un survol sur les prières de Néhémie. Nous espérons que vous connaissez déjà que la prière est une arme spirituelle très puissante. Aucun enfant de Dieu ne peut oser vivre sans la prière. D'ailleurs, la prière c'est non seulement un moyen pour qu'il y ait contact avec le ciel, mais c'est également un devoir, une responsabilité de chaque enfant de Dieu. Néhémie était également un leader modèle dans le domaine de la prière. Et nous quoi? En tant que serviteur et servant de mon Dieu, nous capables de tirer un pile leçon dans les prières de Néhémie. Néhémie t'a réalisé un pile exploit et nous titan tout coup parce que avant, pendant et après chaque projet, il savait se recueillir dans la prière avec son Dieu. Tout enfant de Dieu savent très bien que le succès est étroitement lié à la grâce de Dieu, la persévérance dans la prière et l'action selon les directives du Dieu Tout-Puissant. Les n'ont gardé plus près livre Néhémie, nous même poser tête nos questions. Est-ce que Néhémie pas passé plus temps à prier que à travailler? Mais de toute façon, il travaillait, il priait. Il priait, il travaillait. C'était un homme d'action et surtout de prière. En tant que créature et ouvrier de Dieu, il ne pouvait oser se passer de la prière. D'ailleurs, c'est une moyen qu'il te gagné pour garder le contact avec le ciel. La prière est le moyen ultime de faire connaître nos besoins à Dieu. Il n'a pas parlé de besoins. Nous parlons seulement les choses matérielles. Et puis tout, nous connaissons très bien que notre Dieu, il a la capacité de nous aider lorsque nous lui adressons nos requêtes. Maintenant, avant nous aller plus loin, on a besoin de passer par quatre chemins. Quitte à dire, ou pas capable de vivre sans la prière. La prière est vitale, elle chasse le malin et fait pénétrer le divin au plus profond de notre vie. Souvent, yo comparé chrétien qui pas prier à tant qu'un chrétien déjà chuté. Les Néhémie te fin apprendre état déplorable ville Jérusalem. Chapitre 1 verset 4 dans livre li a dit nous, Néhémie te chita, li te crié. Li te passé plusieurs jours dans la tristesse et la désolation et surtout il jeûna et pria devant le Dieu des cieux. Tendez bien. Si gen moun malheureusement c'est accidentellement yo prier, eh ben n'a rappelé que la prière est toujours une urgence. Si gen moun la prière yo c'est bonjour bon Dieu et au revoir, au chapitre 1 verset 6, Néhémie s'adressa à Dieu en disant: écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. Néhémie t'a prié jour et nuit parce que li pa vle fè corvée. Nous reconnaître que le travail ou l'action sans la prière est une corvée et la prière sans l'action est une perte de temps. Néhémie pa décidé ni fè corvée ni perdre du temps. La prière que nous joignons dans chapitre 1 verset 5 à 11 dans livre Néhémie, serviteur bon Dieu a commencé la prière là pendant la fête éloge pour tout bon caractère, mon Dieu. Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui es fidèle à ton alliance et qui es miséricordieux. Ensuite, Néhémie te mande bon Dieu pardon pour péché lieu et péché peuple là. Néhémie te gen conviction que bon Dieu t'a répondu prière là, non du fait que celle-ci était bien formulée, mais surtout parce que Dieu, il est miséricordieux, il est fidèle à sa parole et il agit par grâce envers son peuple. Encore, Néhémie demande à bon Dieu succès et sécurité dans la reconstruction de la muraille de Jérusalem. À travers cette prière, nous capables de comprendre très bien, Néhémie, le serviteur de Dieu, n'oserait pas commencer une aussi grande œuvre sans un moment d'intimité avec Dieu dans la prière, sans retrouver les directives de Dieu. Mais nous-mêmes,
en pile froid, nous fait toute bagaille, sans la prière, sans les directives de Dieu. Ensuite, l'en pas joindre succès, nous accuser bon Dieu. Tendez bien, rien ne peut remplacer la prière dans la vie d'un serviteur ou d'une servante de Dieu. Néhémie t'a adressé en pile l'autre prière encore à l'Éternel pour le capable réussir cette grande œuvre. Restez connectés ensemble avec nous et n'a tiré en pile l'autre leçon dans cette vie de prière de l'homme et du leader que bon Dieu t'a choisi pour accomplir des exploits avec lui et pour lui. Merci parce que t'as tendé, n'a dit à la prochaine.